Bonsoir, bonsoir et bienvenue à tous à ce webinaire de présentation de la technologie de transport à côte. Alors, si vous arrivez sur cette vidéo pour la première fois, je vous demande de vous asseoir et de bien écouter jusqu'à la fin parce que nous parlons ici d'un système de transport innovant, sûr et fondamentalement nouveau, qui vient pour révolutionner le système de transport qui existe actuellement dans le monde. Donc, aujourd'hui, avec vous, Donatien Girard, et je suis investisseur dans ce projet depuis 2018. Aujourd'hui, dans ce webinaire, nous verrons les dernières nouvelles du projet. D'accord? J'ai répertorié pour nous quelques dernières nouvelles du projet, comme il y en a chaque jour, d'ailleurs. Et ensuite, nous parlerons des différents facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement. Des problèmes, risques et sécurité des systèmes de transport actuels. Nous aborderons les possibilités et perspectives de ce système de transport innovant qui est en train d'entrer sur le marché mondial. Je vous montrerai comment vous pouvez contribuer à l'avènement de ce transport écologique et sûr. Nous verrons qu'est-ce que Skyworld Community vous offre et les avantages et perspectives que vous tirerez de votre participation à ce magnifique projet. Alors, tout d'abord, nous commençons par cette nouvelle chose du projet. OK? Uniskisten Technologies Inc. a signé un accord de coopération avec l'Institut de gestion et d'entrepreneuriat. Une délégation de l'Institut privé de gestion et d'entrepreneuriat, CIUP, a visité Uniskisten Technologies au cours de cette visite. Le PDG d'Uniskisten Technologies, Madame Nadejka Kozareva, et le recteur du CIUP, Nicolas Signac, ont signé un accord de coopération. La délégation comprenait également le premier vice-recteur de l'Institut et Katerina Parfenovic, le doyen de la faculté de perfectionnement et de formation continue, Lyudmila Kotko, spécialiste du département de gestion de la qualité et de recherche et développement, Gennady Kalinov et le représentant de la société chinoise Hope Education Group, Wang Xiao. Les invités se sont familiarisés avec le travail du bureau principal et les activités des bureaux d'études. Lors de la réunion avec le directeur général Nadeska, les parties ont convenu d'une activité commune. D'une activité commune dans l'éducation et du travail scientifique et commercial. La délégation a été impressionnée par l'ampleur du complexe de production SW Plant et par l'emballage du matériel roulant. Les participants à la visite se sont familiarisés avec le parc d'équipements modernes avec lesquels les éléments du complexe de transport et d'infrastructure UST sont fabriqués. Carcasses, pneus mobiles, estacades, des rails à rails, à roues motrices, tant pour moi, moteurs, batteries et bien d'autres. Dans l'éco-technoparc, le centre de démonstration UST Inc., les représentants de l'Institut ont visité le musée de transport de UST et les stations de passage de passagers et la salle de contrôle, ont appris les caractéristiques du matériel roulant et les estacades à cordes. Les visiteurs ont également été particulièrement impressionnés par la démonstration des unis mobiles, unicar de 6 places et unibus de 14 places. Alors, comment est-ce que UST peut aider les entreprises industrielles et minières à éviter les difficultés logistiques? Ceci peut se faire par la création d'un itinéraire logistique optimal. Avec le moins de coûts financiers et de temps possible, n'est-ce pas une tâche facile? En même temps, les exigences en matière de qualité, pour moi,
En même temps, les exigences en matière de qualité et de délai de livraison, de qualité et de délai de livraison des marchandises augmentent considérablement. Les services logistiques des entreprises doivent rechercher de nouveaux modèles de transport et être prêts à innover. La solution pourrait être donc l'application de la technologie UST. Le problème de l'organisation du transport de marchandises. L'organisation du transport de marchandises est compliquée par plusieurs facteurs. Souvent, les entreprises sont obligées d'abandonner le transport des matériaux, d'équipements et de ressources en raison de la saison hors route ou de décaler les délais de livraison en raison du mauvais état des routes. Le travail des ateliers d'une entreprise industrielle peut s'arrêter donc aussi en raison de livraison tardive des pièces nécessaires à la réparation ou à l'ajustement des machines et des outils ou des équipements spéciaux. L'absence de nouvelles pièces de rechange d'outils ou de matières premières entraîne ainsi des temps d'arrêt et de pertes financières. Cependant, de nombreuses installations sont dans des zones de basse température où il faut donc organiser le transport en tenant compte des conditions météorologiques. La structure de trajet UST résistante aux températures extrêmes peut être appliquée efficacement même dans des conditions arctiques. Cette solution convient à l'organisation de la communication du transport dans les zones difficiles d'accès, avec des terrains complexes dans lesquels l'exploitation minière est effectuée. Alors, dépêchez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. OK, vous avez encore jusqu'au 26 janvier. Parce que l'offre a été reportée les 14 jours qui devaient se terminer le 13 janvier. Alors, vous pouvez encore profiter de cette offre exceptionnelle pour pouvoir avoir le maximum d'actions dans ce projet. Je vous rappelle que nous avons trois packs. Offre tant que 20 000 pour 250 dollars, offre tant que 40 500 dollars et offre tant que 80 000 qui vous offre 80 000 par, qui vous offre 80 000 par donc pour 1 000 dollars. Alors, ici, la technologie de transport à cordes, c'est une solution innovante au problème moderne de transport urbain, interurbain et de marchandises. C'est la possibilité de devenir copropriétaire d'une technologie qui n'a pas d'analogue dans le monde. La technologie de transport à cordes permet donc d'éviter les embouteillages. D'accord? Parce qu'ils fonctionnent sur des rails à cordes à haute résistance, au-dessus du sol, bien évidemment. Pas de pollution. Le transport est alimenté à l'électricité sans polluer donc l'atmosphère. Pas de frontières, car il peut être construit sur toutes les zones climatiques de la planète. Aucune frontière ni des climats ne peut l'arrêter. Alors, en 1914, l'usine de confiserie russe appelée Eniem produisait des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. C'est ainsi donc qu'il a réalisé le monde dans un avenir proche. On voit bien une estacade ajourée avec un wagon suspendu. Dans l'illustration suivante, les voitures et les tramways entrent en collision. Les gens courent, essayant de ne pas tomber sous les roues dans le ciel. On aperçoit le même tramway céleste. Ceci, c'est une situation qui vous est déjà familière. Quelle que soit la partie du monde où nous vivons, okay, nous faisons face à ce problème d'embouteillage. Chez notre monde, le transport de niveau 1, c'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Chaque année, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Les effondrements de transport affectent l'économie et les ports surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises. Les navires sont obligés d'attendre donc chacun leur tour. Ainsi, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne, à savoir le trafic dense des routes ainsi que la mort des personnes. En construisant des routes, l'homme envahit la nature. Elle vit sa vie et essaye de résister à l'homme
tant bien que mal, celui-ci reste persévérant, tellement insistant qu'il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il vit. Le carburant que l'on utilise aujourd'hui, c'est un poison pour la nature. Elle ne peut plus du tout résister. Elle ne peut plus. Le prochain problème majeur de notre époque, c'est la pollution de l'environnement. Le passage du transport moderne en électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie, non. Le fait est qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, nous connectons indirectement, OK, à des centrales électriques qui, elles, fonctionnent à partir de combustibles fossiles qui polluent donc également l'environnement. L'un des moyens de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Ainsi, il est donc clair que le quatrième défi de notre époque, c'est celui de réduire la consommation d'énergie. Déjà, de différentes manières et dans différentes années, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut, au deuxième niveau, où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les ravins, les rivières, les forêts. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de capital restent évidents. Les tentatives de construire une route en envers ont été faites comme au siècle dernier en Allemagne et de nos jours en Chine. Un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Ces photos que vous voyez ici n'ont jamais été classifiées confidentielles au grand jamais. Mais pour une raison quelconque, jusqu'à présent, personne n'a jamais combiné ces deux technologies, à savoir le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Donc, si vous remplacez pour ces enfants italiens qui traversent la rivière leur simple roue rouleau par les roues électriques, nous obtenons un nouveau système de transport qu'il ne faut bien évidemment pas confondre avec le téléphérique ou le funiculaire. Ces derniers n'ont pas leur moteur. Ils sont simplement tirés sur les câbles, les voitures téléphériques au-dessus de la surface du sol et le funiculaire sur le flanc de la montagne. Alors, le transport dont nous parlons aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. OK. Il s'agit donc d'une ville, d'une infrastructure à cordes constituée de villes linéaires, écomaisons, ports maritimes. C'est ça qu'on appelle U-Sky. Alors, ceci, c'est un exemple d'éco-maison. Il y en a à l'Éco-Technoparc en Biélorussie et aussi aux Émirats Arabes Unis, à Sharjah. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Alors, fixons-nous le problème donc. Une fois à ce niveau, qui consiste à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la surface de la Terre. On est tous d'accord. Selon le schéma de production standard, lors de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer l'énorme masse de sol, de changer la faune et aussi la flore. On peut voir tout cela sur cette image. La prochaine étape consiste à créer une fondation multicouche de 2 mètres sous la route. Alors, seulement à ce moment, nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel roulant. Pour éviter les travaux de terrassement lourd et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont. Rappelons la méthode utilisée par des enfants au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde. Au lieu d'un pont lourd et coûteux comme celui-ci, on va plutôt poser le câble. Les supports lourds n'étant pas nécessaires, on les remplace par des supports légers. On va ici tirer le câble et fixer donc ses extrémités dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Enlevons ensuite les supports qui n'étaient pas nécessaires et nous les plaçons
Nous les entourons dans une enveloppe et nous obtenons une structure de rail unique. Voici à quoi ressemble cette structure de rail donc. Les propriétés et la composition sont sur le schéma. On voit la tête du rail, les faisceaux de fils d'acier précontraints, l'agent de remplissage et aussi un béton flexible, et le tout dans le corps du rail, bien évidemment. Alors, sur cette base, il est possible de créer trois types de structures de trajet, chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages. Une structure de trajet rigide qui peut supporter des véhicules entre 50 et 250 km par heure. Une structure de trajet semi-rigide, autant pour moi. Ensuite, rigide de 100 à 500 km par heure. Une structure de trajet flexible, 30 à 150 km par heure. Alors, ici, nous avons la conception du châssis intérieur et on voit tous les différents éléments. Et bien évidemment, cette conception a un système anti-déraillement spécial que vous pouvez voir là. Regardez ici les dimensions réelles du rail semi-rigide et flexible. Ici, c'est un photomontage qui montre les aubans supportant le vrai pont. Les mêmes aubans pouvant servir de base à la structure des trajets à cordes. En passant dans ce cas, donc, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement bloquée par une seule travée. Alors, une travée, c'est la distance entre deux supports d'ancrage. Ceci, c'est une vraie photo, OK? Une vraie photo prise à Sharjah en octobre 2020 dans le Centre de recherche et d'innovation technologique de Sharjah. Une caractéristique distinctive des structures de trajet de rail à cordes est que les rails n'ont pas de soudure, ce qui signifie que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en acier, la tâche la plus importante du transport de deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers. L'absence des pilotes et le passage au contrôle automatique éliminent l'influence du facteur humain. Alors ici, c'est une vraie photo, OK, de moi-même à Sharjah en octobre dernier. Et je suis très content de pouvoir d'avoir pu toucher du doigt ce système de transport magnifique pour lequel je contribue. Alors, il est possible de réduire la charge sur la structure de trajet et augmenter la capacité passante de la manière suivante. On peut subdiviser la grande composition en wagons automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera pas difficile, non pas du tout, de résoudre un tel problème logistique. Revenons aux photos déjà familières, ou plutôt aux roues moteurs. Alors, ceci, c'est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la compacité et la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. La solution la plus importante pour réduire la résistance aérodynamique à l'air, c'est de pour réduire la consommation d'énergie, autant pour moi, est de réduire la résistance aérodynamique à l'air. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie augmente grandement et les courants de vent complexes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation d'énergie, du carburant donc, de celle-ci. En règle générale, à une vitesse élevée, le véhicule dépense jusqu'à 90% d'énergie pour surmonter la traînée aérodynamique. Voici l'appareil qui venait de présenter sur le schéma précédent en grandeur nature. Il s'agit de l'Uniflash. Ce modèle de transport à grande vitesse mérite une attention particulière car son coefficient de traînée aérodynamique
a été réduit à 0,06. Cette image montre les caractéristiques des deux véhicules ainsi que le calcul de l'électricité consommée par le poids du carburant liquide conditionnel. Alors maintenant, rappelons les méthodes, les problèmes de transport, autant pour moi liés au transport moderne. La surcharge des voies de transport, le manque de sécurité, la pollution de l'environnement et la forte consommation d'énergie. On peut voir donc sur ces différents histogrammes que le transport apporte jusqu'à au qui est peu en vert à la solution la plus optimale dans l'univers du transport en termes de taux d'accident de transport, pollution de l'environnement, coût du capital, coût des opérations, capacité et niveau de consommation d'énergie. Le graphique ci-contre montre clairement son avantage. Alors, ici, il y en a une comparaison des types de déplacement terrestre les plus modernes, à la fois opérationnels et même projetés. Donc, U-Sky, qui est le transport de deuxième niveau, est un transport rapide, léger, économique et écologique. Donc, tout le monde peut investir. Tout le monde veut investir dans ce projet à partir d'un montant minimal de 50 dollars suivant un plan de versement pratique divisé en 5 mois. Il y a aujourd'hui plus de 400 000 investisseurs dans le projet, y compris les hommes d'affaires, des enseignants, des ingénieurs et des personnes de différentes professions. En participant à ce projet aujourd'hui, vous avez droit à ceci, des dividendes. La mise en œuvre du projet réussi, OK, vous permet d'être en mesure de recevoir des dividendes de la part des bénéfices des projets de l'entreprise. Le rachat d'actions. La société peut annoncer le rachat d'actions et en 2018, les 5 000 premiers investisseurs de la société ont pu vendre leurs actions avec un profit jusqu'à 10 fois. L'héritage. Ces actions que vous avez, vous pouvez les léguer à vos enfants et petits-enfants en héritage. La vente d'actions. L'entreprise peut décider plus tard d'entrer sur le marché boursier. En ce moment, vous pourrez avoir la possibilité de revendre vos actions sur ce marché-là. Alors, l'auteur du projet, c'est ce monsieur Anatoly Edouardovitch Unitsky, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience pour que sa création voie le monde. Il a mis sur pied une technologie optimale, efficace et sûre. Les détails de sa biographie et ses développements peuvent être trouvés sur son site uniski.engineer. Il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs bien détaillés. Ici, on a quelques modèles de véhicules pour le transport des passagers, d'accord? Ici, pour le transport de marchandises. Dans la technologie aujourd'hui, il y a plus de 15 modèles de véhicules déjà. Et c'est quelque chose de magnifique. Il dit qu'au départ, on n'avait que prévu que deux modèles de véhicules. Ce transport sur des rails à cordes se déplace au-dessus des routes et de l'eau sans interférer avec les autres modes de transport. Il s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et dans l'environnement. Ni les montagnes, ni les forêts, ni les eaux ne sont des obstacles. Non. Pour le transport à cordes, il n'est pas nécessaire de niveler les terrains, de bloquer les voies de migration des animaux et de détruire la couche fertile du sol. Il a besoin de l'accès au sol le plus minimal qui soit. Et avec les méthodes modernes de livraison de structures par des drones volants, cela est également fourni par la technologie. Il n'est pas nécessaire de poser des voies d'accès au site d'installation des supports. Le transport à cordes s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et les infrastructures urbaines. Ayant ses propres supports, il peut traverser les bâtiments sans charger la fondation. Cette technologie a déjà une renommée internationale. Pendant plus de 7 ans, la technologie a été présentée au public mondial dans le cadre de plus de 20 expositions internationales déjà. Et ici, c'est une image qui montre ce transport encore présenté par la RTA, l'Autorité des routes et des transports de Dubaï, lors du salon InnoTrans à Berlin en septembre 2022. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, doit subir de nombreux tests d'essai.
Et les documents qui confirment que le transport à Pointe a passé les tests peuvent être trouvés sur le site. Okay. La technologie de transport à Cordes a obtenu 83 brevets dans 18 pays des États-Unis à la Chine, plusieurs certificats et récompenses également. Alors, sans aucun doute, il est impossible pour une seule personne de mener à bien un tel travail titanesque. Et voilà pourquoi la société Uniskisty Technologies a été créée à Minsk en République de Biélorussie. Et depuis 2019, elle emploie plus de 1 000 professionnels hautement qualifiés. La structure est composée de 80 départements et bureaux d'études. La propriété et les bureaux de production couvrent une superficie de plus de 1 000 mètres, 10 000 mètres carrés. OK? Uniskisty Technologies est inscrite au registre des sociétés de bonne foi de Biélorussie. Et dans sa production, il y a plus de 11 machines complexes qui ont déjà été conçues et fabriquées pour le transport des marchandises et des passagers urbains et interurbains à grande vitesse et à hyper vitesse suspendues d'une capacité de 2 à 200 passagers et d'une capacité de charge de 2 à 35 tonnes. L'agent des investisseurs a permis de construire jusqu'ici un éco-technoparc en République de Biélorussie dans la ville de Minsk. Regardez comment c'est beau. Et chaque année, les investisseurs se rassemblent sur ce site. À chaque fois, quelque chose de nouveau est montré et en septembre 2018, on a commencé la construction d'un deuxième centre aux Émirats arabes unis, à Sharjah. Ce centre de Sharjah est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe UST lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient. Ces photos sont prises en 2019 sur le site de construction de Sharjah. Le transport aux Émirats arabes unis sera une preuve supplémentaire que ce transport peut être construit. Et toutes les zones climatiques de la planète. Et il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre. Dans un avenir pas si lointain, il s'intégrera naturellement dans le paysage et il ne nous surprendra plus comme le métro ou le tram ne nous surprennent plus du tout. Donc, nous pouvons dire en guise de résumé que ce transport est bien évidemment tout d'abord innovant, rapide, sûr, économique, facilement intégrable. Et surtout, respectueux de l'environnement. Alors, je vous remercie bien évidemment pour votre aimable attention et, comme à l'accoutumée, je vous laisse avec cette magnifique vidéo de présentation du transport à Côte et rendez-vous à lundi prochain. Ciao.